Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel dans PTC Creo. Ici, comme vous voyez, c'est un piston. Mais avant de commencer, je vais faire une petite introduction, car ce moteur-là, je l'ai fait avec SolidWorks. C'est un moteur V12. Et là, toutes ces pièces-là, avec des sous-assemblages, avec la symétrie et tout. Si on ouvre par exemple le piston que vous voyez ici, dans SolidWorks, ça fait ça. Donc on va faire la même chose, donc on va ouvrir... PTC Creo, on fait les mêmes étapes qu'on a fait dans SolidWorks. Avant de commencer, je voulais vous présenter quelques photos. Celle-là, je l'ai fait avec KeyShot. Lorsque j'ai terminé le moteur, je l'ai mis sur KeyShot. Avec, on voit bien l'ordre d'allumage ici. Et celle-là, c'est la bielle qu'on va construire dans une prochain épisode. Et vu que ce moteur là contient beaucoup de pièces, donc j'ai décidé de diviser tout ça en plusieurs épisodes. Vous pourriez inscrire sur ma chaîne YouTube pour voir tous les épisodes et à chaque fois lorsque je partage quelque chose, vous l'aurez. C'est là une vidéo qui montre un peu le... juste une rotation pour voir le nombre de pistons et le vilebrequin et tout. Voilà. Donc commençons maintenant et je vais fermer tout ça. Ok. Allez dans nouveau et cliquez sur OK. Commençons par le plan dessus. Ici c'est top, c'est en anglais. Cliquez sur extrusion, normal à la vue pour voir bien la fenêtre. Utilisez le cercle. Maintenant en PTC Creo, c'est juste lorsque vous dessinez un cercle, cliquez sur échappe et la cote va sortir immédiatement. Donc vous mettez 84 mm pour le diamètre et vous validez par là. Ensuite vous mettez l'extrusion sur 50 mm de hauteur et vous validez par là. Maintenant, deuxième étape, c'est la révolution. Donc, cliquez sur révolution, vous choisissez un plan. Maintenant, vous êtes dans esquisse, normal à la vue. Vous utilisez un cercle pour faire la révolution avec un axe. Voilà, maintenant les côtes qu'on va mettre c'est 16 ici, le diamètre c'est 18 et la distance du bas c'est 50 mm, c'est la hauteur du piston. Cliquez sur OK. Ici vous changez, c'est l'enlèvement de matière et on va aider par là. Maintenant, on va enlever la matière d'en bas.
Donc, de même, utiliser l'extrusion et on choisit ce plan-là, normal à la vue. Si vous avez des difficultés pour suivre et tout, me laissez un commentaire en bas si je fais ça rapidement, ça, car c'est un peu facile. 20 mm par là et une hauteur de 25. Et la distance ici, c'est pas importante. Vous ajoutez un axe pour faire la symétrie. Donc, vous sélectionnez tout ça, puis allez sur miroir ou bien symétrie, et vous sélectionnez l'axe de symétrie, et nous avons deux rectangles. Maintenant, vous validez par là. Vous faites ici la symétrie pour qu'elle enlève la matière dans suivant deux directions avec une symétrie. Vous mettez enlèvement de matière et ici vous pouvez mettre 100 ou bien 1000 comme vous voulez. Vous validez. La quatrième fonction, c'est révolution. Vous choisissez par exemple ce plan-là. Vue d'esquisse et vous dessinez un rectangle ici, échappe comme toujours. Ici vous mettez 40, ici c'est 39 si je me rappelle bien, ici on a 3 mm, ici c'est 0,8 mm. Maintenant vous validez par là et pour l'axe vous choisissez celui-là et vous faites l'enlèvement de matière et vous validez par là. Donc on va faire une répétition linéaire de cette géométrie-là, l'enlèvement de matière. Donc vous sélectionnez la fonction, allez sur répétition, vous changez la cote sur direction, choisissez par exemple un axe qui est un peu vertical pour suivre cette direction. Voilà. Le nombre de répétitions, c'est 3. Et vous changez la direction avec la distance entre les répétitions, 3. OK? Vous validez par là. Et nous avons le résultat. Maintenant, passons en coque. Fonction coque. Sélectionnez en bas et vous changez ici la crotte en 5 mm. Vous validez par là. Maintenant, on va faire l'enlèvement de matière ici avec l'extrusion. C'est où l'axe de piston va venir. Donc, sélectionnez cercle, le diamètre c'est 18, la distance ici c'est 10 et vous ajoutez un OK entre ça et ça, donc vertical entre ça et celle-là. Après, vous validez, vous mettez ici enlèvement de matière, changez la direction. Vous pourriez mettre 50 ici, voilà, et validez par là. Maintenant, puisqu'on a un enlèvement de matière ici, comme vous voyez comme j'ai fait dans SolidWorks, donc vous pourriez juste changer l'esquisse pour qu'on gagne de mémoire un peu, car lorsque les fonctions augmentent, la mémoire augmente avec. Donc ce que je vais faire, c'est d'ajouter un esquisse ici. Donc je vais décaler celui-là avec 5 mm. Et je ferme ça. Maintenant, on va partir avec une ligne et on va dessiner ça jusqu'ici. Maintenant, on va utiliser un trait
symétrie. Voilà. Et la cote ici, c'est 30. Puis, on va faire une symétrie avec ça. Voilà. Puis, on va utiliser supprimer segment. Donc, je vais supprimer ce segment-là. Voilà. Maintenant, on va valider par là et nous avons le résultat. Maintenant, sélectionnez cette face et allez dans extrusion, normal à la vue. Et vous créez une ligne ici avec un arc qui commence par le point d'extrémité de la ligne. Puis on ajoute des relations. Donc une tangente entre ça et ça. Une coïncidence entre ça et ça. Voilà. Maintenant, l'esquisse, on ne peut pas le bouger. Donc, je valide. Je mets 5 ici et je change la direction. Je valide. De même pour cette surface-là. Je fais extrusion. Normal à la vue. Puis on fait une projection de ce cercle-là. Donc je vais aller sur projeter. Je vais projeter ça. Voilà. Puis je vais ajouter un cercle avec un diamètre de 28. Je valide par là. Je mets 5 ici et je valide. Maintenant, de même pour ça. Je vais sélectionner cette face-là. Extrusion. Normal à la vue. Aller sur ligne. Ou bien celle-là, on peut directement faire faire une symétrie. Sélectionner ça. Symétrie. Choisir le plan de symétrie. C'est celui-là. Et on va l'aider. Voilà. Maintenant, il ne reste que d'ajouter un cercle ici, normal à la vue, une projection de ce cercle, et je vais ajouter un autre cercle avec un diamètre de 28. Je valide et je mets 5 ici. Ok, maintenant on va aller sur arrondi. On met ici 10. Voilà. Et je commence par là. Ça, c'est le premier. Ok, puis arrondi, on mettait 6 ici. Et sélectionner ces deux-là. Et maintenant, il ne reste extrusion aussi.
Sélectionner ce plan. Je vais afficher ça, un ombrage. Aller sur rectangle. Dessiner un rectangle comme celui-ci. Vous ajoutez des relations entre ça, par exemple, et ça. De même entre ça et ça. Une côte 1 mm ici puisqu'il y a la donnée et 2 mm ici. Voilà. Vous validez. Vous faites un enlèvement de matière avec 100 et vous validez par là. Maintenant, on a ça. Mais c'est juste l'erreur que j'ai fait, c'est pas ici normalement que je vais mettre, c'est celui d'en bas. Donc je vais supprimer tout ça. Je vais mettre le rectangle ici en bas. Donc 2. Et 1 et relation entre ça et ça et entre celui-ci et celui-ci. Valider. Maintenant, on va faire une répétition circulaire de cette fonction-là. Donc, répétition. Ici, vous cliquez sur axe, sélectionnez cet axe. 90, vous cliquez ici pour les 360. Le nombre de répétitions, à peu près, on mettait 50. Vous cliquez sur OK. Maintenant, vous allez sur arrondi avec 9. Vous sélectionnez ces arêtes, vous validez, puis sélectionnez ce plan-là avec révolution normale à la vue, sélectionnez un axe, un cercle et la distance vers le bas c'est 1 mm, ici on a 0,5. La distance c'est 42. Maintenant, vous validez par là, enlèvement de matière. L'axe c'est celui-là, validez par là. De même, on va sélectionner la dernière fonction, on va faire répétition. Direction, je vais choisir cet axe-là. Je vais mettre 20 ici et une distance de 1 mm entre tous les cercles. Et on a ce motif-là. Maintenant, je vais ajouter un plan, donc sélectionnez ce plan-là, allez sur plan, vous mettez 18 ici. Voilà, cliquez sur OK, sélectionnez ce plan-là et vous cliquez sur révolution, normal à la vue, et dans rectangle, vous mettez un rectangle comme celui-là. Et maintenant, je vais ajouter des côtes, donc cliquez sur normal. Pour ajouter une côte dans PTC Crio, c'est cliquez ici. Et lorsque vous voulez mettre la côte, cliquez sur le bouton milieu de la souris. Comme ça. C'est 13,5 mm. Et cette distance-là, c'est 19. Et une relation coïncidence entre ce point-là et
cet axe, il ne reste que d'ajouter un angle entre celui-là et celui-ci. Cliquez ici, on a 78. Voilà. Maintenant, on ajoute un trait d'axe pour faire la révolution. Donc, révolution ici, c'est l'enlèvement de matière. Cliquez sur OK. Puis, il nous suffit juste de faire la symétrie par rapport à ça. Cliquez sur OK. Et de sélectionner ces deux-là, de faire la symétrie par rapport à ça. Cliquez sur OK. Maintenant, si vous voulez ajouter les arrondis avec 0,3 mm, celui-là, celui-ci, 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 celui-ci. Et OK, on va les départ là. Maintenant, il nous suffit juste d'ajouter notre logo ici, ou bien vous pouvez mettre votre nom comme vous voulez, et sur texte. Mais avant de cliquer sur texte, j'aimerais bien positionner ça sur un cercle. Ce cercle-là, je vais convertir en construction. Sélectionnez-le. Vous mettez un mode construction. Non, c'est pas mode construction. C'est par construction. Voilà, il est là. Et puis, allez sur. Je vais le supprimer. Je vais le refaire parce que la fonction est désactivée. Fonction texte. Donc je sélectionne comme je vous ai dit, sélectionnez cette fonction. Voilà, texte, normal à la vue, je mets mon nom, V12 Engine, et je clique sur OK. Maintenant, pour la modification, j'ajoute un cercle comme je vous ai dit. Et double-clic sur le nom, placer sur une courbe, sélectionner ça. Et maintenant, vous changez en plus la direction. Maintenant, c'est juste une question de cotation. Voilà, il est là. Et pour que celui-là soit pas en extrusion, pour sortir au fait le menu avec le bouton droit de la souris, il faut maintenir un peu, faut prendre un peu, compter une seconde. Vous mettez en construction, voilà, vous validez par là, et vous faites enlèvement de matière avec 0,2. Vous changez la direction en plus, on va l'aider par là. Maintenant, on a terminé le premier tutoriel. Si vous aimez ce que je fais, vous pourriez le inscrire à ma chaîne. Et pour la prochaine épisode, on va faire la bielle comme je vous ai montré dans la première. Tout au début de la vidéo.
Ok, merci pour votre attention. Thank you.